Lisez tout le monde, ça qu'a fait, c'est Mel Gak qui est entré la caillou encore une autre fois avec Yon Lot Live, YouTube Live, et bien dans série YouTube Live ça, avec Facebook Live, sur Facebook ou Live sur YouTube, c'est même bagarre là, et bien nous pourrons parler aujourd'hui à la de Bear Market, Bull Market, et puis qui stratégie ou supposé utiliser dans Bear Market pour bien passer. Est-ce que Bear Market c'est un bagage qui est positif ou bien négatif? Eh bien, nous pourrons considérer aspect ça ensemble avec au matin. Eh bien, bon, après-midi, on est capable de dire, passer déjà midi. Si vraiment bagage ça a besoin de comprendre, eh bien, pour investir dans la crypto-monnaie. Si vous avez besoin de bien comprendre la crypto-monnaie, il faut que vous compreniez la phase dans la market là. Ce n'est pas seulement investir, mais comprendre face dans la market là pour vraiment aider ou prendre de bonnes décisions et bien pour vous-même et ou avancer comme ça doit dans la market là. Bon, salut moun qui prête à brancher là. Eh bien, moi salut ou moi salut amis ça, et bien qui branché, et bien quel que soit côté que ou branché là, et bien si on en Haïti, qu'aux États-Unis, qu'au Canada, qu'en Taïwan, et bien dans quel que soit pays que vous branchez là, bien nom c'est Mel Gak, moi c'est ingénieur de formation et puis moi fait live sous ça qui est les crypto-monnaies pour éduquer haïtiens partout quel que soit côté que vous y parce que crypto-monnaie c'est un nan bagay qui est vraiment intéressant pour comprendre et blockchain technologie eh bien pral mener nous à yon l'autre niveau dans question internet là sous son monde capitaliser internet ou comprendre internet on pral essayer ba ou ça passer dans internet et eh bien pour qui ça pral passer dans blockchain c'est ou bien chance pour gagner un smartphone dans main ou un petit téléphone comme ça ou bien yon qui plus petit que ça ou bien qui plus gros que ça quel que soit marque lié eh bien avec téléphone ça ou pral gagner tout ça qu'aussi ou ka gagner dans vie la donne ou ka posséder terre la donne avait dit oh comment m'a fait mettre terre dans téléphone non ka posséder terre la donne ou ka posséder machine la donne ou ka posséder motocyclette la donne ou ka posséder même une famille la donne donc c'est pas que ça vraiment intéressant pour comprendre et à quel niveau que capable mener nous eh bien normalement on a bon bois pas oublier poser question et puis partager live là s'il vous plaît ou pas payer pour faire ça abonnez notre chaîne là sur YouTube et puis sur Facebook tout like page là pour follow page là pour que Facebook est capable de remarquer eh bien c'est haïtien ou là ou à suivre n'a salué les amis qui est en branché là et nous saluer ingénieur Chrisma et eh bien moi salut aux amis pam quel que soit côté on regarder nous saluer tout et nous saluer Voidelet Auguste les amis non gain le changer non l'autre façon et Voidelet Auguste moi saluer et moi saluer bon c'est même mon nom moi saluer Gerline qui là tout n'a pas avancé et mettez présent pour nous tout qui là tout le monde qui là moi saluer nous monde qui sur Facebook tout moi saluer nous normalement OK nous pral moi pral présenter nous qui ça Bear Market là parce que normalement tout le temps des thèmes dans crypto monnaie nous voulons que nous comprenions chaque grain thème dans crypto monnaie parce que si on seul grain mot on a dit la faut dire comme dans crypto monnaie et puis si on seul grain mot tout le cas dit ou il faut faire comme dans crypto monnaie moi même moi voulons que nous comprenions bagay yo moi voulons que nous comprenions bagay yo tellement bien que les n'a pas expliquer aux l'autre monde pour moun nan tout comprendre ça que wap dit là c'est un peu le monde que dans crypto monnaie qu'on pas jamais ka expliquer rien pour qui ça raison simple yo juste à acheter parce que yo dit acheter yo juste à vendre parce que yo dit vendre yo pas jamais connaît exactement pour qui ça yo supposé former d'être yo moi vle que nous pas gain monde dans communauté pam nan qui dans niveau ça donc ça veut dire si nous ouais moi répéter une série de bagaille c'est parce que me connaît faut nous habituer ensemble avec yo Bear Market nous va parler de ça matin là et c'est un concept qui est vraiment intéressant pour comprendre mais ou après comment l'intéressant pour comprendre c'est là que ou la donne ou pas jamais penser au tape la donne le fait qu'on pas penser au tape la donne non c'est pas bon ça normalement tu es supposé penser que ou la donne ou lieu qu'on penser qu'on pas la donne ça fait me dire ça si vous comprenez ou non qui phase dans market là oui ça veut dire ou dit tout ou dans bull run ou dit tout ou a fait comme faut dit tout gon saison qu'a privé qui pas saison pam les saisons qui pas saison pas au courant mais eh bien les bear market. Mais qui ça bear market là c'est un concept en anglais. Ça veut dire bear là c'est un animal et puis market là c'est sur les marchés. OK? Ça veut dire là on parle de bear market, c'est un concept qui décrit comment animal que les bear là en anglais les bataille. OK, les bears la bataille, ils mettent tête à terre. Ça veut dire il y a tendance que la descend. Donc plus que marché à se descendre, la descend, ils utilisent le concept bear market. Et ou après opposé bear market, c'est bull market. Bull là c'est ça les taureaux. OK, les la bataille, ils mettent conné en l'air pour le bataille et bear là généralement pas gain con. Donc ils mettent tête à terre pour charger ça la bataille ensemble avec là. Donc on vient voir que ils viennent catégoriser mettre ça en deux catégories de monde. Ça veut dire dans market là, il y a un monde qui peut aller à gauche, il y a un monde qui peut aller à droite. Moun ka prale à gauche là. Moun ka prale à gauche là, li dit on nous pral dans bear market, moun ka prale à droite là, li dit on monter dans bull market. Yon a poussé descendre, yon a prale monter. Donc c'est ça qu'on vient gagner qui créer en ça dans market là. Mais qui raison qui fait nous gain bear market ou bien qui gain bull market? Yon a première raison yo, c'est ça créer satisfaction. Et si vous investi normalement pour faire profit. Donc, une fois que vous faites profit, assez de profit, ou retirez profit, et bien, market là a une tendance à descendre. Et market là tout, investi, c'est un bagage qui est contagieux. On ça tout, prend profit, c'est un bagage contagieux. Si moi que en pile mon a prend profit, ça veut dire pour descendre, moi même moi j'ai tendance tout pour me retirer comme moi. Bear market définition nous cap regarder et dessin ours là qui mettent là nous les ours en français donc c'est en anglais le bear. Ou ka gade yo toujours utiliser dessin bête ça pour que n'a descende. OK, qu'on y a là si que wap vendre pour qui ça moi même moi pas ta vendre. OK? Donc c'est question qu'on va le poser tout. Donc tout le monde avance, c'est moment tout le monde avance. Donc moi même tout m'avance. Donc le fait que tout le monde avance, ça vient créer pratiquement une panique qui pas vraiment et panique personne sous comprendre market là. Donc moi dit que m'avance. OK, ou vendre après une satisfaction. Et il y a des gens qui vendent qu'on est là, qui vendent juste parce que l'autre monde a vendu dans market là sans yo pas un moment pour yo ta vendre. OK? Ça m'a parlé de monde qui pas un moment pour ta vendre, c'est monde qui pas en profit. C'est moun ka vend sans que le pas en profit, mais à cause que nous dans bear market, li obligé vendre pour générer pour le kembe comme il y a un yon monnaie qui stable avant que li perdi plus pour le capable investir pi plus toujours dans un moment qui pita dans market là. Donc ça veut dire phase où yon dans market là, c'est pas une phase que nous pas attendre, c'est une phase que nous te connaît cap venir, mais peut-être nous pas connaît qui joue, qui date. Nous pas connaît qui joue qui date a commencé. Là on définit bear market pour nous dans question stock market, par définition ça c'est pour stock market, on va dire que pas marché pour crypto-monnaie, mais c'est juste la baou yon idée. Il dit un bear market correspond à une période où les baisses des prix persiste, ça livrait. Donc, yon bear market, c'est dans une période côté que prix yo continue à descendre. Ça en bon créole, c'est ça on t'a dit. Les baisses des prix, de titres sont de 20% ou plus par rapport aux sommets les plus récents et celles-ci sont alimentées par le pessimisme et l'humeur négative du marché. OK, ça en partie c'est vrai, mais pour crypto-monnaie 20% pas bear market. 20% c'est juste une correction de tous les jours. Eh bien 20% de market là ça capable arriver chaque jour dans market crypto-monnaie où est 20% de Bitcoin, 20% de Ethereum, 20% de altcoin yo. Donc ça c'est bear market pour sacrer les forex market là avec sacrer les stock market à 20%. OK, 20% ou plus. OK, ça veut dire prix diminuer de 20% par rapport à sommet dans market qui stable là, qui c'est marché et stock là, et bien ça, yon bear market. On parle ici de 2 mois ou plus. Ça veut dire parler de 2 mois ou plus pour bear market. En crypto-monnaie, les markets descendent de 2 mois ou plus. Nous pas parler de bear market, mais surtout nous parler de the market is bearish. OK, ça veut dire qu'il y a une tendance bear, mais ça pas veut dire nous dans bear market pour autant. Nous gagnons dans bull market, nous gagnons une tendance bearish. Ça veut dire nous descendons pendant 1 mois, 2 mois et nous parler de phase de correction. Nous avons correction dans la market là. Mais là, nous vraiment parler de bear market dans la crypto-monnaie, c'est plus grave que ça. C'est plus grave que ça. OK? Les bear markets peuvent également aller de pair avec un déclin de l'économie mondiale. OK? Très bien. OK? Comme par exemple, une récession. Et pas oublier, dans le moment là, on a parlé des crypto-monnaies, nous gagnons un problème. nous gagnons $3 américains sur le marché. Par exemple, dans les dernières 10 années, que vous faites qu'on est là, les États-Unis imprimaient plus de dollars qu'ils étaient imprimés pendant toute existence, eh bien, pays, ça, l'agence a tiré les dollars. Donc, puisque nous gagnons ça, pas dire que pas bon et fait néfaste sur le marché, donc il fait ça, nous pas connaît comment l'avenir, mais quel que soit Jean Vinian, l'a dérangé marché crypto-monnaie et l'a dérangé eh bien stock market là. OK, ça veut dire quantité inflation ça pour gagner venir avec correction. Et si correction ça t'a venir avec une récession et ajouter sous la guerre qui possible pour gagner la guerre dans année ça, donc la guerre Ukraine ensemble avec la Russie, eh bien qui capable déboucher sur un côté qui plus grave pour nous si t'as gagné l'autre entité qui rentre dans jeu là, si les États-Unis t'a rentré dans jeu là, si t'as gagné sanctions prolongées qui gagne sur la Russie, mais tout ça au pourra le faire que gain des changements que nous pas nous pourra connaître à quel niveau yo aller dans market. Donc on est là sauf une connaît qui ça un bear market et bull market nous qu'a parler de ça une autre fois parce que bull market là pour nous même c'est déjà passé. Mais qui stratégie ou pral utiliser dans bear market puisque bah prix a descendre. OK? Prix a descendre. Donc moi pas un trader, moi c'est un investisseur. Qui ça me supposé faire? OK? Gagne un moment dans bear market là qui relève recul. OK, qui les recul. Donc faut qu'on apprenne faire recul ça et bien avant que vous décidez qui côté que vous aller. OK? Donc première partie c'est que l'aime confirmer que dans bear market, moi fait ça que les recul. OK, recul là c'est que moi dit au lieu que me continuer mettre cash, m'a prend une petite pause et puis pour moi à quel niveau m'a capable retourner encore. OK? Donc, recul, ça, il doit 1 mois, il doit 2 mois, il doit 3 mois, il doit jusqu'à ce que moi trouve un prix qui vraiment est attiré, qui vraiment a avantage, moi. Moi, dit, ah, bon, pour avantage ça, parce que ça, il doit pas joindre encore. Moi, pour un petit bagage. OK? Dans crypto-monnaie, nous parlons de thème qui est le dollar cost averaging. OK, dollar cost averaging qui c'est DCA, eh bien en bon chrono cap dit acheter petit morceau par petit morceau au lieu que vous achetez tout à la fois. Donc technique ça, c'est une technique ou pral obligé utiliser. Mes amis partager live là et puis commenter tout et poser question si vous avez question. Et depuis ce domaine, gamin capter nous depuis ce domaine, Mackenzie mon salut. OK, les nous gain leur pas acheter ou pas acheter un seul coup ou acheter petit à petit. C'est ça que fait, bon, tout profiter, parler nous tout de Clever Club. Clever Club nous investit chaque mois. Ça veut dire chaque mois ça, et quel que soit l'agent ça taille dans le market là, nous avons besoin de bonnes positions pour nous rentrer. Et nous pas un coin fixe que nous investissons là-dedans. Donc, le fait que nous pas un coin fixe que nous investissons là-dedans, nous avons toujours cherché coin côté que nous avons plus bon avantage là parce que the bottom for Bitcoin is not going to be the bottom for Ethereum, is not going to be the bottom for VT, is not going to be the bottom for the other coins. Ça veut dire, point qui plus bas pour Bitcoin non, pas nécessairement c'est point qui prend le plus bas pour BNB. Pas nécessairement c'est point qui prend le plus bas pour Ethereum. Ça veut dire Bitcoin doit toucher point qui plus bas en mois mars et pour Ethereum toucher point qui plus bas et en mois juin. Ou bien Ethereum toucher point qui plus bas, si pas gain comme c'est événement de force majeure, datio pas obligé même côté. Pour dater même côté, faut que son gros crash qui arrive et puis tout le monde crash ensemble. Donc peut-être nous joignent plafond, nous joignent comment on dit dernier niveau et puis après ça nous toutes nous remonter encore et puis nous continuer. Donc moi c'est que si c'est pas ça qui arrive, peut-être si la guerre est capable de produire ça, une nouvelle catastrophique est capable de produire ça, un effet catastrophique sur hash rate Bitcoin capable de produire ça. Donc n'a suivre mais chaque crypto pour gagner dernier niveau par yo différent. Ça veut dire que nous doit attendre dernier niveau par Bitcoin pour pousser le ça acheter l'autre yo et puis dernier niveau yo par même côté. Ça veut dire toute crypto par fait le même comportement. Par exemple, Cardano. Et pour moi, même comportement Cardano dans le market là qu'on a là, il est plus grave parce que plusieurs autres coins. Parce que Cardano qui crase résistance que tu gagnes, support que tu gagnes dans $1, et puis qu'on a allé à 0.8, ça veut dire que s'il crase 0.8 là, nous mettons à 0.63, 0.68 là, qui pourra le bel pour Cardano du tout. Et si dans zone ça, Cardano pas gain support du tout. Donc, ça veut dire que nous avons Cardano cap de gingolé descend. Ça ne veut pas dire que ça va lever exactement, mais si ça arrive et tout, que ça va déranger parce que c'est moment, eh bien, pour capable accumuler, eh bien, crypto couramment. Technique à utiliser pendant dit recul. Première partie, à ces reculs qu'on fait, eh bien, pour regarder market là. Troisième bagage qu'on fait, c'est revision de portfolio. OK, deuxième bagaille, c'est révision de portfolio. Comment portfolio y est dans le moment? Est-ce qu'il est en santé? Est-ce qu'il y a moyen pour prendre quelques petits profits, mettre de côté en stablecoin? Parce que meilleurs amis on a crypto-monnaie que la majorité de monde ne connaît pas, c'est stablecoin. Meilleurs amis c'est stablecoin. Si pas de stablecoin dans la crypto-monnaie, donc c'est une bataille, monter, descendre, et puis sans compréhension de quoi que ce soit, jusqu'à ce que crypto vienne l'argent. Mais non, à cause de ces stablecoins, nous gagnons façon pour nous préserver eh bien, intérêt ou bien un profit que nous avons fait. Donc, c'est faire profit ou gagner en stablecoin et stablecoin, ça va être utilisé pour mener à la direction que vous-même besoin d'aller. Qui direction besoin d'aller? C'est gagner en Bitcoin. Qui direction besoin d'aller? C'est gagner plusieurs Ethereum. Qui direction besoin d'aller? C'est gagner les meilleurs crypto dans le portfolio. Mais qu'on est là, ou bien ne doit pas gagner comme pour travailler, pour gagner comme chaque mois, pour mettre comme ça. Donc, le fait qu'on pas gagner, ou supposé jouer un jouette et pour gagner. Là, je dis jouer là pour gagner, c'est pas jouer même j'avais tout le monde qui a joué, mais c'est jouer avec une compréhension avancée. Voilà, comment ça se passe, amigo mio? OK, ça veut dire c'est jouer là une façon pour gagner. Mais si on joue pour perdre, mais comment on joue? On plaider acheter sans contrôle. On plaider ou par contre qui ça qui dans portfolio ou pas gérer portfolio. Portfolio est important. Pas oublier tout alt nous est là, altcoin à part de Bitcoin. N'importe bagaille capable passer dans altcoin, dans marché altcoin, n'importe bagaille capable passer. Je dis au cas où elle prie à comme ça là, puis après demain où elle perd 80%, où elle perd 50%, où elle perd 60% rapide. Altcoin yo vraiment et dans bear market yo kalalou. Dans bull market yo ka bon pile cop, dans bear market yo kalalou. Est-ce qu'il y a un avantage ou? Sous qu'on ça va faire, l'ingé doit vraiment un avantage parce que c'est là Jésus là Isidore bienvenue. C'est là qu'on l'a pral fait normalement. C'est là qu'on l'a pral fait dans de bons alt côté acheté à bon niveau ou bien à bas prix. Qu'on a ouvert un PI, c'est comme si dans bear market c'est PI. Et ben bon on bagaille. Market là toujours by moun qui pour côté dans market là chance pour faire comme. Par contre, c'est nous remarquer ça. Market là toujours by moun qui pour côté là pour chance pour faire comme. Qu'on a ou même cap investi qu'on a ou investi dans market qui bearish, moun qui t'a investi de 4-5 mois de cela, moun ça t'a investi dans market qui te bullish. OK, si moun ça pas prend profit, et ben qu'on est là ou vinn dans plus bonne position par ces moun ça. OK, ça veut dire 200 descend, si nous t'a vinn arriver à un Bitcoin qui est établi dans zone $20,000, $22,000, donc on est là ou même ou capable accumuler plus passer un monde qui était là déjà qui pas comprendre ça l'a faire. Ça veut dire c'est compréhension de market là qui peut aider ou faire profit, mais c'est pas seulement et qui projet et qui ou plus d'acheter coin passer par là, c'est pas ça qui parler de faire profit, c'est comprendre pour comprendre market là normalement qui côté pour investir comme bois et bien qui parle maintenant à un certain niveau. Qu'on est là, ça me devait parler nous matin là. Devait parler de deux plateformes, OK? Deux plateformes, mais faut d'aller en bas vidéo ça pour montrer nous plateforme ça yo et deux plateformes qui très important pour nous capable utiliser parce que il y a un peu le monde qui pas utiliser et me dire nous pour qui ça. Nous pour qui ça nous supposé utiliser yo parce que normalement l'on utiliser yo ou pral ouais avantage que ou pral porter pour vous c'est que l'on utiliser Nexo par exemple, l'on utiliser Nexo, mon cœur là n'a regardé YouTube en channel YouTube moyen, l'on utiliser Nexo gagne un avantage qu'on pral tirer sur lui. L'on utiliser Celsius gagne un avantage qu'on pral tirer sur lui dans bear market. On dit que ou acheter un coin, ou acheter pour jouer dans bear market là. Mais qui projet vous voulez acheter? OK, qui projet vous voulez acheter? Faut qu'on connaisse qui projet pour acheter. C'est pas juste yo parler de projet ça, on va acheter pour qui ça? Non, faut qu'on connaisse. Connait là, est-ce qu'on pas ta remet faire comme pendant dans bear market là? Eh bien pour faire comme dans bear market là, faut qu'on acheter crypto qu'on capable faire profit sur yo. OK? Ça c'est bagay nous pral bien gérer dans DeFi Master Lab, mais plus ou moins m'ka bon petit goûter. OK, si vous allez en bas quel que soit dans vidéo ça là et pas oublier faut partager vidéo ça parce que pour moi il y a un view assez. Il y a un view assez, nous pas quitter bon bagage ça là à gaspiller, nous pas ba moun qui besoin yo. Il y a moun qui besoin bagage ça et si moun nan vinn là, la comprendre. Qu'on est là, qui ça me fait pour moi-même et moi ba ou deux plateformes ça yo côté qu'on capable gérer télécharger deux plateformes ça pour faire qui ça pour faire revenu passif. OK, revenu passif là comment on fait dans des plateformes ça qui c'est Celsius avec Nexo ou acheter coin que plateforme ça yo accepter Par exemple, sous Nexo, you acceptez Bitcoin, you acceptez Ethereum, you acceptez BNB, you acceptez Sandbox, you acceptez Decentraland, you acceptez Avalanche, you acceptez XRP, you acceptez plusieurs autres crypto-monnaies encore. You acceptez Chainlink avec plusieurs autres crypto-monnaies encore. Qu'on a là, Léo acheté crypto ça yo, avantage qu'on pourra le gagner. Dans Bear Market là, au lieu que Kobo a plaidé à descendre, ou gagne un petit intérêt que y a baou sous même coin ça sans qu'on pas faire rien ou juste mettez sous lui y a baou un petit avantage sous lui. Donc si vous prend intérêt ça yo en Nexo yo baou plus un pourcentage, si vous prend intérêt ça yo n'a pas de Nexo, si vous prend intérêt ça yo en coin côté mettez par exemple vous mettez Bitcoin ou prend intérêt en Bitcoin, vous mettez Ethereum ou prend intérêt en Ethereum, sous remet c'est coin ça qui augmenté quoi intérêt à dans même coin là même pourcentage à petit Jean plus bas parce qu'il y a 2% en plus si vous prend en Nexo, ça veut dire vous gagne plus Nexo et pour moi même moi prendre en Nexo parce que me besoin gagne plus Nexo toujours parce que Nexo fait commencer Ethereum déjà fin grand monde et si m'a acheté Ethereum, m'acheter Ethereum, Bitcoin déjà fin grand monde, m'acheter Bitcoin mais plateforme Nexo a grandi donc coin ça peut-être capable ba moins plus et il est capable de faire un portfolio maintenant plus sécurisé parce que l'aime gagner, moins gagne plus pourcentage, parce que moins gagne native token pour et plateforme yoa. Ok, pour Celsius, on va utiliser même technique là. Deux plateformes ça yo très intéressant. D'ailleurs, j'aime cette montre là dans l'écran. Donc si ou même ou pour gagner yo, ou bien doit pourquoi connaît comment pour utiliser yo, mais ça pas une raison pour pas télécharger. Bon mettez au plus pour mes amis. Pour ka ouais et non yo. Et ou pas Cardano là non parce que ça bon en fait tout soit aller sur en bas vidéo YouTube là même j'en montre là dans l'écran ou pas joli juste cliquer sur lui et puis bâton chocolat et puis la baoule moi que seulement de référal n'en fin lien numéro 1 en fin lien c'est le même qui référal là numéro 1 en fin après égal ça là c'est le même qui référal là ça doit cliquer sur lui la baoule option pour capable télécharger. Si vous cliquez sur ça ouais normalement là pour vous yon l'autre page et bien l'autre page ça il va la game sur Nexo et normalement parce que là on regarder il va aller sur Nexo il va dire qui ça Nexo et bien ou même sous intéressé $25 NBTC le rentrer dans la plateforme non il y a pour cadeau $25 et bon oui moi c'est pas $25 ça que me partage d'avant pas vraiment comme je partager le pour $25 ça et même si ça pour me faire parce mes amis si mon a utilisé nous avec $25 ça tout OK donc juste utiliser lui parce que me pense que c'est une plateforme qui bon pour qui ça ou capable prêter l'argent sur lui au lieu qu'on vendre quoi nous donc ça c'est une bagage ou capable créer compte sur ordinateur et comme ça tout capable créer sous application que vous gagne dans téléphone donc ça c'est une qu'on est à la deuxième non comme commencer montrer me pas montrer net mais comme commencer montrer ben fin montrer si deuxième non c'est qui est nous allons dans même page que tu t'es là qui c'est sur YouTube là et bien nous allons en bas vidéo encore une fois ou à joindre l'autre là même gens et puis cliquer sur lui et bien libéral maintenant sous Nexo pour que ça va nous déplacer ça on gagne pour faire cours sur yo comme si qui pourra bail détail comment utiliser yo qui ça pour faire avec yo mais quand même sur regarder sur téléphone eh bien tant mieux OK parce que connaissance là c'est ça au besoin dans période bear market là ou pas le besoin ça OK donc c'est pratiquement les dim login là on est capable de login et moi gagne yo même pas utiliser yo pas vraiment sur website même avec Nexo yo sous et application donc c'est encore application à monter là. Donc, pratiquement, c'est ça fait, ou aller ou monter sous Celsius, et puis on va commencer à joindre avantage, barbe et moustache, que plateforme ça au bail. OK. Ça, c'est le deuxième bagage que je voulais dire. Mais il y a l'autre bagage. Oh, non, beaucoup de switch sur l'autre page là. Je switch pour m'aller dans Celsius là avec vous, et pour m'aller dans Celsius là avec nous. Celsius là, il faut nous avoir tout. Faut nous avoir Celsius là tout, pas vrai? Donc, si nous besoin de Celsius là, mais comment elle paraît? Ça, c'est sur ordinateur, elle paraît comme ça, mais sur téléphone, et normalement, ça paraît pratiquement même gens sur téléphone, ou capable downloader. Eh bien, et normalement, aller sur Twitter, regarder, pour ça, mais vous passez des présentations, donc pratiquement, c'est juste télécharger et puis commencer à utiliser. Et référer le programme Nexo est vraiment intéressant, bon, $21 en BTC, donc ça veut dire l'offre fait le tout, ou capable préférer à l'autre monde, et puis bâton chocolat. OK, et. Ou qu'a fait quoi ouais ça c'est un bagage encore bon bam tout banou ça parce que par contre qui type de monde qu'a regarder non OK qui type de monde tout monde si on même tout gain temps comme si pour faire type de profit ça yo Nexo by $25 leur inviter monde eh bien tout l'autre ami qui t'a amené et fait lui, eh bien ou dire ça, mais pas appeler de vous lien bah moun qu'on pas connaît. Toujours dit nous pas faire ça du tout, lui faire moun paie crypto-monnaie et moi pas veut que nous faire l'autre monde ça. OK? Et s'il vous plaît, like et puis partager, pas oublier ça, c'est yon nan bagay qu'on ka faire moun nan cadeau. Moun nan ou nou partager avec moun nan par email, m'a parlé de live là, mais c'est pas lien yo pas partager parce que pas oublier c'est dans lien yo hack moun. Donc, si vous avez une vieille habitude, recevoir lien sans lien tête en bas, sans moun pas comprendre ça, partager avec là, n'est pas intéressant pour faire ça parce que n'est pas bon. OK? Donc, on est là. Nexo token, si m'a parlé de Nexo, m'a même montré le Nexo token à qui prix là qu'on est là. Si m'a regardé pour Nexo, il m'a parlé de projet ça yo. M'a regardé pour Nexo, à qui prix Nexo et à qui prix me penser Nexo ka venir. Ça aussi très important pour nous faire ce calcul ça oui. À qui pour Nexo, à qui pour le tailler et à qui pour le cavinier pour profiter de projet ça dans Bear Market. Et projet ça yo vraiment important à cause du travail à faire parce que c'est banque yo dans crypto-monnaie. Et pas oublier banque yo toujours important. Li gagne $1 billion malgré marché à crash à ce niveau, li kembe yon 1.8 billion dollars. OK, toujours nos projets qui gagnent $1 billion, généralement c'est intéressant. Et c'est pas comme ça Nexo gagne sous les non l'a gérer. Comme ça c'est comme qui n'a coin Nexo coin. Mais c'est pas comme si Nexo gagne l'a gérer, c'est pour comme Nexo gagne l'a gérer comme tout le monde là caillou mon cher, t'as bien tout mon cher. Bon paquet comme la caillou. Et combien en token il gagne en total? Il gagne $1 billion seulement. Donc Cardano avec 45 millions t'arrive $3. Donc Nexo avec $1 billion t'arrive $3. Donc ça veut dire ça beaucoup en rien. On garde. All time high pour Nexo token et tout on parle dans Bear Market pour juste garder dans Bear Market combien de dans Bear Market 2018 garder combien de est-ce que vous comprenez 0,00 combien et qu'on est là les à 0,0 combien mais là 0,0000 combien on one et puis qu'on est là mais Bull Market et puis mais qui côté aller donc imaginez où t'acheter là ou vivre là c'est normal pour belle donc on est là nous là c'est là nous braler. Nous beaucoup arriver là vraiment non, mais c'est là nous braler. OK? Ça veut dire nous descendre pour nous arriver dans niveau ça. Comme tu dis ça non là déjà, arriver dans niveau ça. Donc ça veut dire marché à ta disposition de descendre trois fois plus bas que côté l'hier. Donc si ça t'arrive, mais ou même c'est pas moment pour plaindre, c'est moment pour accumuler. C'est moment pour comprendre et qui côté nous aller et puis pour dire bon, eh bien me prendre position par rapport à ça que tu fait et puis moi-même tout moi capable de positionner. OK, bah moi all time high c'était all time high qui côté all time high là puis bah toujours et bah monter all time high pour projet ça all time high pour projet ça c'était $4.60 combien $4.60 OK qu'on est allé à $1 donc si vous achetez qu'on a all time low mes amis c'était 3 ans de cela en 2018 dans Bear Market et bien il était à 0.04 à 4 est-ce que vous comprenez 100x. Est-ce que vous comprenez? Exactement 100x. Ça veut dire qu'il y a un coin où vous pouvez lâcher là tout, qui peut le capable ou 100x, que vous ne connaissez pas. Eh bien, si vous cherchez et comment pour investir là-dedans, eh bien, normalement, ouais, qui ça qui est capable de pour vous? Parce que normalement, c'est seulement par l'Europe investir, ou à faire comme. Si vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez pas faire comme. Un coach, moi, pas qu'à enregistrer sur Nexo, non. Tout ça, le mandé me fait. Fait pourtant enregistrement en par jamais activé. Eh bien, dès que elle pas activé, eh bien, dis-le à plat, fais-la avec un autre email jusqu'à ce qu'on monte. Et c'est surtout on doit faire un bagage qui pas bon, qui pas du ça, on doit pas ouais. Par exemple, si photo pas jamais bon, il pas jamais ka ouais image qu'on voyait. Il doit pas jamais approuver. Donc ça veut dire et c'est fait, bah que son problème Nexo gagne avant, c'est peut-être un problème ou gagne dans document ou bien dans information qu'on baille et qui peut-être est problème là. OK, là nous venons parler, nous parler de Nexo, nous parler de Celsius et qui c'est un moyen dans Bear Market là qu'on pourra utiliser qui pourra dans avantage. OK, l'autre bagaille qui pourra dans avantage dans Bear Market là, c'est que et l'offre choisie refaire portfolio dans Bear Market là parce que vous supposez refaire donc fin choisir refaire portfolio dans Bear Market là faites très attention que c'est pas dans même coin que vous choisissez mettez comme OK que c'est pas dans même coin que vous choisissez mettez comme même coin qui ça peut arriver même coin en pile dans projet ça pas bien assez comme pour continuer travail OK, le fait que vous pas gain assez qu'on peut continuer le travail, eh bien vous pral et perdi un momentum market là et c'est pral vous pral pas régler en rien sérieux, l'aime du pas régler en rien sérieux, eh bien vous pral pas ouais qui ça pour faire, eh bien y a occasion quitter ça. Eh bien ou même quitter dans projet ça, eh bien l'occasion quitter ça, c'est DeFi lié. C'est pas un côté pour aider pour pas un recours, eh bien normalement on va obligé eh bien faire pète là, eh bien pour aller faire voir pour aller chercher de l'autre côté pour gérer Bosco. Donc pas quitter au prendre dans coup ça parce que normalement par contre qui projet ça va arriver mais ça a privé quand même et que c'est pas projet pour là que c'est projet qui sont l'autre projet mais quand même ça y est toujours arrivé dans crypto-monnaie côté que eh bien petit projet ça y est pas capable bien B. Si projet ça ou pas capable kembe yo pas capable kembe pour qui ça parce que pas gain assez moun qui décider kembe kob yo nan yo OK pas gain assez moun ça ou pas capable kembe yo pas capable kembe pour qui ça parce que pas gain assez moun qui décider kembe pas gain assez moun qui décider mettre kob dans projet ça yo et bien normalement me t'a font checker Facebook là pour moi quand même qui live OK nous brancher c'est ça lié OK moun qui brancher sur Facebook yo et ben bienvenue. OK, ça veut dire les ou là dans période ça va regarder là côté que ou dans bear market, c'est pas moment pour acheter n'importe projet. C'est moment pour acheter projet qui gagne en pile et moun k'ap investi dans yo, projet qui déjà réussi parce que m'bral montre au lieu que mal investi dans un projet par exemple qui c'est relé qui relé baby Dodge ou bien et ou relé qui relé et baby ceci baby cela baby un baby Saitama baby ceci si me te gètan la donne OK me gètan la donne mais si me pas gètan la donne qui ça me va faire sou connaît map ton bear market là fin confirmé Maptan de market la fin confirmé. L'embal de fin confirmé. Bitcoin par exemple, descend moitié dans prix li la jodi a là. Qu'on a coin ça et qu'on a pas le bon période de ligne droite. Période que moi de ligne droite là, c'est ça qui est vraie période d'accumulation hein? Ou après même si vous achetez pour qu'on n'a pas déplacé. Par exemple, vous ka jwenn Cardano qui descend à 0.15. OK, vous ka jwenn Chilis qui descend à 0.09. OK, vous ka jwenn Bitcoin Doge qui descend à 0.0007. Vous ka jwenn. Est-ce que vous comprenez ça, Mabdou là? L'or, il vient d'un niveau ça. Nous ne pouvons pas ça, parce que nous trouvons imaginaire, OK? Même pas là pour me marcher, pour montrer nos réalités à comment le cahier. OK? L'or, il vient d'un niveau ça qu'on a là. Ce n'est pas un moment pour plaindre, c'est un moment pour dire, ah, regardez-moi, qui est-ce qui était solide? Qui est-ce qui était quinquennedin? Qui est-ce qui travaille? Qu'on a ça qui travaille là, ou rentrer là-dedans. Avec un calcul bien déterminé, ou dit, si je rentre là, et puis me sorti là mais qui ça capable vivre pour portfolio et puis si mon portfolio m'a souri et puis qu'on a là moi investi dans projet ça OK donc et ça yo pour montrer que même si tu as investi comme dans Bitcoin dans bear market seulement et pour pas t'acheter alt c'est pas un problème pour qui ça parce que les Bitcoin a take off alt pour aller derrière ben mon doit toujours retirer comme là dans Bitcoin aller retourner mettre dans alt donc ça c'est une bagaille c'est pas parce que son Bitcoin maximaliste mais c'est parce que me connais Bitcoin a plus profit que l'autre coin yo. OK bon ami qui m'a bien passé bon ben merci en pile là qu'on a collé des fois et ça qu'on dérange même parce que stream y a de moins problème que l'autre application que me connais utiliser malgré je dis à la internet la femme faveur tout merci Christ merci Dieu bon Dieu tout puissant et pour faveur ça pour me regarder la là bien et gon mon là qui dit en deux plateformes ça yo qui est-ce ou penser qui pi bon et on pas dit qu'il y a qui pi bon mais c'est qui est ou tapis remet ou même et Nexo ba un paquet avantage même penser que Celsius prêter ou l'argent plus rapide Celsius prêter ou l'argent plus rapide non Nexo prêter ou l'argent plus rapide même quand tu fais demande là l'argent vient automatique et donc parce que pas oublier leur prêter l'argent sont l'argent que c'est l'argent ou lié pratiquement ou gagner yon bagay qu'on mettait dans yon asset qu'on mettait dans plan et puis ou prêter sous lui. OK? Mais pas oublier, c'est pas un moment pour prêter à ça. Est-ce que vous comprenez? Moment prêter à, c'est moment côté ouais, pas gain côté n'ga l'équipe bas. Pas gain côté n'ga l'équipe bas et puis tu qui quoi analyse yo, tu as dit même bagaille. OK? Ça veut dire faut pas observer dans market là, c'est pas comme si vous venez dans market là, vous pouvez bourrer et puis vous pensez toute bagaille passer bien. Donc faut qu'on observer. Type de live que m'a fait aux amis, yo pral c'est des lives qui pral coûter l'argent parce que gros les m'a privé, on ne doit pas faire ça encore. C'est son l'autre monde qui fait mais on même souhait en comprendre. n'importe qui qui venait, n'importe ça au côté là, ou capable à analyser tout pour comprendre qui côté marché après aller pour. Mais qui ça me amène nous regarder et dans graph Bitcoin. Et moi comme tu fait ça avec nous dernièrement, mais sous tu as regardé sous pas mal sur Bitcoin parce que c'est Bitcoin qui mène le market là, c'est ça que fait c'est Bitcoin que me prend. OK? Et après me parler on graph pour nous qui parlait de Bear Market, Bitcoin. C'est là sur Bitcoin. OK, si nous avons regardé Bitcoin qu'on est là, nous avons Bitcoin à $37,000 et puis m'a parlé de Bear Market. $37,000 par semblé à Bear Market. Pourquoi me souvenir $37,000 par semblé avec Bear Market? OK, the market is bearish, mais c'est à cause de cycle, on dit que nous plus gain tendance à descendre que nous à monter. Donc c'est pas parce que me peur, c'est pas parce qu'il rien. Non, moi veux marcher avec cycle. Si monter plus haut toujours, est-ce que ça me dérange? Non. Si nous avons monté plus haut toujours, ça ne va pas me déranger. Mais plus quoi que nous ne pas monter plus haut, c'est fini. OK? Donc, qu'on est là. Si nous avons regardé sur Trading View, et si Trading View, tu as bon accès pour me faire ça là, nous avons montré non. OK, merci en pile Trading View, et merci en pile. Et bon, moi, si nous avons fait écran ça, quand ça avait une pile large pour nous, parce que quand ça avait une pile large pour nous, d'abord en pile. Ah bon, un peu lui là. Et parce que quand parti ça m'a besoin. Parti ça m'a besoin dans l'écran, nous t'a gain plus view pour nous bagaille yo. OK. Donc si m'ta essayer raler écran ça, raler un graphe ça pour vous. Ou après que dans Bear Market qui ça qui Bear Market là. OK, nous là en mars année dernière, nous là en mars année dernière. Et pas l'année dernière, non, bien entendu, ça, c'est nous là dans mars 2020. Et puis ça, regarde qui ça que tu fait. Descend là, qui ça que tu passé sous qu'on est. 17 mars, dans zone 11 mars, 12 mars, c'était là, ça qu'on a écrasé marché à 12-13 mars. OK, nous descendons après ça, dans zone $3,000 combien. OK? Mais là, nous arrivons là, qui ça que tu passé. Ça veut dire nous en 10x, 10 fois plus haut. Que côté de en mars 2020. Ou imaginons, nous disons soit plus haut parce que nous sommes à 37, nous descendons à 3,000 combien? OK, nous descendons à 3,000 combien? Regardez 3,800 combien là? OK, 3,800 combien? Après ça, soit regardez un sac noir à côté à droite là. Donc, nous regardons côté de OK, on regarde là, puis devant, en 2019. En 2019, nous sommes 2000. Oh, mais nous toujours dit c'est 3,000 qui était plus bas. Nous sommes dans 2,000 combien, oui là? Nous étions dans 2000, ça veut dire de 19,000 à 2000. De 19,000 à 2000, pratiquement, c'était 9x down. OK, 9x down. Ça veut dire si ma chère descend à 8 fois, OK, on prend 8 fois plus bas, quel côté Bitcoin est arrivé à. OK, ça veut dire que tu prends 69 divisé par 8. Et là-bas, moi, pris ça. Il y a 2600. Waouh. 2600 là. Allez-y, 21 février 2019. OK, si on a comparé 2019, 2017, c'était fin boulot, non? 2017, décembre en 2017, nous connaissons ça. Et Bitcoin était monté $19,000. Après ça, il descend. Et, bon, regardez-moi, sinon, après observer là, si on a regardé là, normalement, OK, il y a nous, le graphe là avec moi. Et nous, t'es là. Nous sommes là dans date ça. Ça veut dire après boulot, on va monter au boulot, puis devant, ça veut dire nous avons 2600 et puis intéressé, parce qu'elle pi bas toujours, calcul me le faire, c'est sous le pour me faire, et 2600, comment on t'a retourné là-dedans là? OK, 2600, côté là, et 2600, là on a 3000 là toujours, on a 3000, nous avons besoin de 2000, OK, 2000, c'est ça? Non? OK, nous sommes là. OK, 2692. On dit nous sommes dans 2692 là. Nous sommes dans 19 000. Pour nous arriver là, nous sommes dans 19 000. Nous avons 19 000 divisé 19 400. 19 400 en l'air. 19 400. On mettez 400, vous mettez un petit baril d'elle. OK, nous avons divisé par 2692. Et nous avons divisé par 2692, calculé d'abord nous 7x, 7.2x. Ça veut dire si nous avons 69 000, nous divisons par 7. OK, 69 000 divisé par 7. OK, 69 000, il était conti par DL, tout me quitte, divisé par 7. Donc ça t'a bannou environ $10,000. Environ $10,000. Qu'on est à 6 bits, qu'on t'a descendu à $10,000, est-ce que ça va étonner ou? ça va t'abétonner, ça va t'abétonner. Et ça va t'abétonner du tout. Et si m'arrive là, et qui ça cap menem là, m'ba besoin connaît et connaissant t'abédem même m'ba comme connaît qui ça fait arriver là et m't'a juste dit donc c'est l'affaire de crypto-monnaie. Donc c'est juste crypto-monnaie, c'est juste marché là. Donc en crypto-monnaie d'après la loi de Do, d'après la de Dot Theory, d'après la théorie de Do, the market is always right. Ça veut dire le marché a toujours raison. Ça veut dire le marché a toujours raison. Ça veut dire on ne peut pas chercher raison nous et mais on prend raison market là-bas nous. Ça veut dire là tu es dans top ça nous tu as 19 000, bon tu es touché 19 800, bon sur quelques échanges tu es moins que ça mais 19 800, et puis de 19 800 et puis nous descendons à 2000 combien, 2000 combien dis-nous, c'était 2600. Donc pratiquement qu'on a l'autre est là, on t'a dit ah bon, le market a continué à retourner monter à 16 000, on t'a dit ça, et puis là on te descend là tout nous t'es à 13 000, 11 000, bon il y a un échange qui te baille 13 000, mais là t'es descendu jusqu'à 11 000, et puis de 11 000 étant, et pas oublier de 11 000 étant garder t'es retourner monter, hein, de 11 000 étant de retourner monter dans combien, dans 17 000 je crois. Dans 17 000, c'est pas un jouet. Ça veut dire et dans phase que nous y est là, est-ce qu'on ne pas descendre 32 et puis nous retourner monter à 44? 32 à 44, c'est 12 000 dollars. Hein? Eh bien, on descend là. Là, si nous t'apprends 11 dans le dérivé là, et puis nous t'as monté dans 17, c'est combien? 11 à 17, c'est 6 000 dollars. Eh bien, pratiquement, on fait moitié. Mais si on prend la moitié, comme ça, c'est ton all-time high qui était plus bas. Dans l'autre all-time high, là, on fait doublant. Il prend 12 000 dollars. De low à high, il prend 12 000 dollars. Ça veut dire ça c'est higher, ça c'est lower high. OK? Ça c'est higher low. Ça c'est higher high, et puis ben nous il y a un lower high, et puis qui était descend à de un low qui vient ben moins 6 000 dollars, qu'on a ben moins yon qui ben moins 12 000 dollars. Donc pour Bitcoin, est-ce que c'est pas confirmé? Est-ce que c'est pas partenaire qui a confirmé qu'on est là? Synap descend, nous t'a espéré descendre, monter, pas jamais tourner 45 encore. Donc ça c'est possible pour le public qu'on pas jamais tourner 45 encore. Ça c'est d'après ça m'a monté nous là, pas moi même qui dit non. Si nous pas jamais tourner 45 encore, donc n'a descendre jusqu'à ce que nous arrivions dans zone comme ça. Pour nous faire une belle montée. L'aime parler des belles montées, tout, c'est par rapport à. OK, ça veut dire 3x down, qui t'a banné, si nous avons 3x down de 69 divisé par 3, t'as banné moins 23. Ça veut dire si nous arrivons là dans 23, et nous t'as senti dans 23, c'est peut-être, c'est là dans la privée. Nous t'as fait 3x down. Nous venons à 23, et puis nous font tourner monter, et nous font tourner monter encore, et il mène nous dans 30, dans 33, et puis retourner descendre encore, et à tester zone 20, 25, et puis retourner monter encore, et puis parti comme ça, et puis dans l'atterri, dans 13, ou bien dans 14, ou bien dans 15, après ça, nous lancer pour une autre série, et bien qui pourra le plate, et puis qui pourra l'intéressant, qui pourra le bel côté que nouveau projet, ou une chance qu'on a là, pour être capable de faire, ouais, eh bien, qui ça va pas faire eux-mêmes. Donc, pratiquement, c'est ça. Et puis, c'est une bague aucun autre événement de force majeure qui passait. Donc, il y a un market là qui pourra le faire Timothée descendre jusqu'à ce que nous, début 2024, et puis nous pourra le relancer dans un market qui bullish encore, même genre que nous t'ai gagné en 2000, fin 2020, 2021, nous avons un bel marché, côté que tout le monde a fait comme. Donc, je pense que c'est pratiquement ça, market l'a semblé, et pour le faire dans un moment, ce n'est pas ça nous voulons le faire, mais c'est ça le faire dans un moment, et bien si ça le fait nous-mêmes, nous sommes supposés positionner nous. Donc, débrouiller aller Bitcoin pour Bear Market, montrer dans le graphe là pour Bitcoin, nous avons montré tout pour Ethereum. Mais pratiquement, c'est un bas là, nous prenons un top et puis un bas, et puis côté que nous descendons, et puis pour nous remonter. Donc, nous va prêter sur ça, mais qu'on est nous prenons parler de qui est côté où si vous mettez l'argent dans bear market là. Qui côté aussi vous mettez l'argent. OK? Côté aussi vous mettez l'argent, c'est côté où on fait intérêt passif. C'est ça que fait. Moi-même, moi pral faire un pile travail que me pas de faire avant, que me pensais que dans boulot non, me pas de faire l'autre coup crypto. Dans boulot non, me pas de l'autre coup crypto parce que normalement, en pile me doit prendre un trap et faire l'argent, perdre l'argent. Donc c'est comme ça aller dans boulot. Donc me voulait retendre bear market pour me faire coup crypto. Dans bear market là, nous met attendre de moi m'a fait un pile coup crypto et qui disponible, il doit pas cher, il doit pas en pile contenu là-dedans, mais tout ces contenu va intéressant pour moun comprendre yo, eh bien normalement. Parce que il y a des gens qui viennent là, et pas question de ne pas t'apposer, mais ils ne comprennent pas le concept. Et le fait qu'on pas comprendre le concept, ou pas qu'à poser question. Okay? Le normal, vous rentrez dans la classe pour la première fois, et puis vous posez à dire, est-ce qu'il y a une question? Bon, je ne comprends pas ça faire, à qui ça me va poser question ça. Je ne comprends pas qui mot pour me commencer, pour me formuler les questions. Je ne comprends pas, c'est vrai. Même par contre, je ne comprends pas en question. Je veux que nous comprenions la logique là, parce que je veux que le monde, quand l'autre monde investit pour eux, je veux retirer ça comme si mon rentre dans le club pour l'investir, je comprends, mais comme si mon investi pour parce qu'on n'est pas capable là, nous voulons gérer ça parce que si ou pas gérer, banque va le gérer et me préférer c'est nous qui gérer tant que c'est banque gérer. Nous supposons comprendre crypto-monnaie très très bien. Qu'on a vraiment aller et toute market là en général pour montrer nous un bagage, OK? Et l'oral et toute market là, l'autre bagage qu'on capable faire la donne, c'est que ouais et market cap pas seulement Bitcoin mais tout marché là et globalement. L'on regarde marché global là et si nous apprend marché global là nous prenons ranking. Nous prenons ranking. Si nous regardons en l'air là, nous à 1.6 trillion. 1.6 trillion, c'était bagaille qui est arrivé. Bon, est-ce que tu as pas monté anti-évolution de liste? Si tu as pas mon chat pour lui, nous t'as regardé. Oh, ouais, me pensais qu'on chat pour lui. OK? On regarde un chat pour lui. Parce que normalement c'est ça yo et nous pas besoin de ça de tous côtés. Donc m'obliger va faire ça yo là, l'aime là avec nous. Et mais nous par contre nous pas connaît l'importance la vie. C'est grand monde qui là, c'est seulement eux même qui connaît l'importance ça qu'a fait là. On regarde. All time. Je pense que c'est all time le bon là, ça c'est map là. Si nous regarder map côté une sortie. OK? Si nous regarder côté une sortie. Combien cob l'étape dit nous ça est là? Besoin bam cob, il va dire combien cob. OK bien, li marqué. OK? Là nous t'es à combien? À combien là nous t'es? Et bam date mes amis, bam cob là. OK. Là combien comme nous dit ce qu'on est? $1 billion de là. Non, ça on trillion. 2013, nous pas caté on trillion, ça on billion là. OK, million. Non. Mais comment ça va $1 trillion? Non, gon problème, mon cher, gon problème. C'est pas ça, album là. Ça, il va s'embêter en bas moins. OK, 3 trillion. Nous, pour côté dans tout comme ça, non? En 2015, 2016, nous même connaître beaucoup venir à $3 trillion. 3 billion. Oh non. Et moi, cap mal li, mes amis. Nous, t'as dit ça, le peuple. Et million, ça, et billion, ça, oui. OK, désolé. Et billion, ça, oui. OK. Ça veut dire là, nous, t'es dans combien? M'ba regarder côté m'te commencer à t'aller. Parce que c'est ça, m'besoin, ouais. OK, là, nous, t'es dans combien? Ça, c'est dans 800 millions. OK, ça, 2013, 800 millions. Mais pour nous comprendre bien, 800 millions. Pourquoi même 1 billion? Viti. Ça veut dire VT qu'on est à 3 billions. Attendez bien, ça va coûter même 1 billion. Toute market là en général. Combien crypto que tu as gagné? Pas de gain plus de crypto, mais nous te gagné. En fait, Ethereum beaucoup dans market là. C'était pratiquement Bitcoin avec quelques autres crypto-monnaies qui étaient là. Et il y en a là qui parlent là, qu'on est là. Dans l'année 2013 et dans zone ça. Qu'on est en avance, mais là nous, c'est beaucoup même dans 1 billion. Là qu'on est là nous en 2014 nous avons 9 billions. OK, nous avons 9 billions, 7 billions, 9 billions 2014. Ça veut dire gain l'autre crypto-monnaie qui vient parce que Ethereum pour aller rentrer dans le jeu là en 2015. En 2015 ou pour aller Ethereum go paquet comme li ramasser et bien qui pour aller rentrer dans market là. Et n'a regardé plusieurs projets tant que XRP tout pour aller rentrer dans market là et vin augmenter ça pour BNB pour venir pita et on regarde 2015 qu'on est là juillet 2015 Ethereum va rentrer dans market là dans zone ça yo là. OK, 2015 là Ethereum est dans market là en 2015 ça veut dire Ethereum ramasser cob malgré ça nous dans 4 billions. Attendez bien, Shiba gagne 12 billions là. Shiba, vieux Shiba seulement gagne 12 billions, il pas dit rien encore. Seulement Shiba qui nomme après ça seulement ça. Il a gagné 12 billions. Pour montrer nous comment crypto marché a grandi. OK, là nous avons 12 billions, OK, nous avons 12 billions, 13 billions et qui là nous est là. Nous en 2017 bull run. Nous avons 19 billions. 19 billions pendant que Bitcoin était à 19 000 pour call. OK, ça veut dire beaucoup. Non, Bitcoin beaucoup de là parce que notre top là pour arriver. OK, top là pour arriver. Regardez, dans même année nous est là 2017 oui, 2017 regardez-vous. Janvier 2017 à fin 2017, son bagage phénoménal qui passait. Regardez market cap là, oui, OK, 800 billion. Bon, retourne encore pour nous. Bon, retourne encore. 1er janvier, 2er janvier. On a cherché 1er janvier 2017. 1er janvier 2017, nous en 2016 là, 2017, 1er janvier 2017. Ça va important pour qu'on ait. Ou bien nous a dit, ah, mais gamme, bah, ce qu'on dit, ça va passer. Non, mon cher, évolution m'a montré, mon cher. Ce qu'on m'a fait pour vous. Ce qu'on m'a fait pour vous, on va être en bas, ma baou. Et on allait là, nous tenons 17 millions. On dit que 1er janvier, et 8 janvier, dans la zone 8 janvier là, nous tenons 17 millions. Pas vrai? Nous tenons 17 millions. Et puis qu'on est à la nos parties. Bon, bah, moi, qui te dis, pi bas, si c'est en janvier, l'île, pi bas, m't'apprends ça, pi bas. T'as pi bon toujours. Calculateur, t'as plus exagéré, pas vrai? On prend en 17. On ne va pas chez ça exagéré, on prend en 17. Ok, il était 17 billions. Et puis, dans le boulot, on a combien de vignes? Ok. Dans le boulot, on a combien de vignes? Bon, nous pour qui ça m'a fait ça? Les vignes, 818 billions. Ça veut dire 800 billions ajoutés sous quantité de TIA dans une année. 800 billions. Ba me garder visage parce que on regarder sur YouTube là pour moi qui réaction et ça me va dire après son bail nous compte dans des m'a discuter avec James pas oublier non mes gars l'offre live là et non vous connaissez pas non ça gagne peut-être c'est écrit pour écrire et sur WhatsApp pour me connaître exactement pour qui ça et passer m'a oublier si c'est pour ça 800 combien X était fait ça me plaît dire nous c'est que à l'époque, 800 combien billions, ça te fait dans pile comme pour market là. Attendez bien, mais il y a des gens qui t'apprennent dit ah, mon cher, nous ne pouvons pas sortir dans 818 billions pour nous descendre côté de nous descendre. Pourquoi du côté de nous descendre, on allait. Quand on a nous descendre, on a perdu billions, on a perdu billions. Tout billion te fin fait, on a perdu net. Tout billion te fin fait, billion a disparaît. OK? Billion que tu fin fait tu a disparaître. Pas bien dans 818 billions. Qu'on a nous dans 100 combien millions là. Nous dans 100 combien dans 117 100 vaille. Pas moi qui côté de plus bas. OK, nous perdit billions qui côté oh, non, donc côté de plus bas que zone ça. Dans zone ça là nous t'es dans 126, nous t'es dans 105, OK 104. OK, nous dans 105 104 billions. Est-ce que vous comprenez? Qu'on a ça veut dire qui ça? Toute market là en général perdit 8 fois. OK? 818 billions, il perdit 8 fois. Qu'on a dis-moi que côté comme ça aller. Comme c'est question ça nous m'est posé, dis-moi que 818 à 104 billions dans bear market. Dis-moi que côté comme l'aller. Comme l'aller côté pour l'aller dans même mettre li. Et c'est mettre li pas toujours dans market là, dans qui market là, qu'on a question ça poser. Dans qui market là, il pas disparaître. L'aller dans l'autre market, l'aller dans stock market, l'aller dans forex market, l'aller dans real estate market, l'aller dans gold market, l'aller dans silver market. C'est pas tout le monde qui croit dans crypto monnaie, fait comme là on vire d'ol. OK? Donc on est là et son plus que son industrie cap grandi lié, tout le monde connaît et monde qui intelligent, qui c'est grand investisseur connaît, c'est fait comme sorti pour rentrer mais gen moun k'ap kembe bitcoin gen nou a kembe pour la vie mais la fait comme dans alt pousser dans bitcoin fait homme dans alt pousser dans bitcoin et puis mettons l'autre côté tout générer profit de l'autre côté that's it. Amazon toujours important et eBay toujours important gen nèg ki gen gros cher là dedans donc faut qu'il fait business ça au marché parce que yo plus paraît tangible yo plus yo grandi yo gen doit grandir pilan mais comme la pi sûr donc nèg la prend comme ça la mettre là dedans gen machine ou acheter c'est pour le prendre valeur pas perdre valeur donc là acheter machine ça OK qu'on est en aller gen ça avait dit 8x down qu'on a on mettait dans tête nous marché crypto monnaie ça arrivé à 2.8 billions pas vrai 2.8 billions sur le calcul moi avec nous sur le calcul moi avec nous 2.8 billions pas vrai bon me t'a mettre 3 billions on pas connait toucher 3 billions mais 2.8 billions on divise ça par 8 10 2.8 billions par 8 et 2.8 billions par 8 2.8 divisé par bon m'a fait 2.8 divisé par 0.8 pas ça et c'est ça et ça oui 2.8 m'a divisé tout par 8 et 2.8 divisé par 8 OK si m'ta prend 2.8 divisé par 8 là t'as ben moins 0.35 ça veut dire t'as vinn sorti à 350 billions OK 350 billions, comme vous voulez, il n'y a pas jamais refléter vraie valeur market là. Mais si nous avons multiplié ça par 2, ça veut dire que nous descendre en bas au 350 billions. On a les connaît. Qui côté nier qu'on a? On comprend bien. Qui côté nier qu'on a? Nous avons combien? On regarde ça. Est-ce qu'il va descendre en combien? Nous avons 1,6 billion. eh bien, si on a divisé 1,6 billion par 350 millions, eh bien, combien ça a bannou là? Combien fois 350 qui a bannou, qui t'a bannou 1600? 1149 ça là, mais ça veut dire, si on a descendu, c'est 4 fois, oui. 4 fois, oui, là. Et 4 fois 4, 16. Et ouais, 350, bon, 5 fois. Ça veut dire, si on a descendu, yon bitcoin t'a descendu à moitié puis là, ou après, moitié dans sa partie, et mais si moitié dans sa partie là, nous avons descendu en bas 1 trillion. Depuis en bas 1 trillion, n'importe quoi qui a passé, le marché a une plus fragile toujours. Est-ce que vous comprenez? Le marché a une plus fragile toujours. Donc, en espérant que n'importe cas de figure ça, yo m'a parlé là, yo possible pour arriver. Et avantage que nous gagnons la dernière, c'est que nous gagnons plus chance pour nous faire plus comme. Puis, balle descend, plus de bon pour nous. Donc, si vous comprenez, et je pense que là, nous avons bien comprendre qui ça que le bear market là et puis comment le market là a fonctionné. Et à un certain moment, ça que le calcul ça on a fait là, il n'y a pas vraiment arrivé. OK? Il n'y a pas vraiment arrivé parce que a tellement de comme dans le market là, quel que soit quand c'est comme vous retirez, eh bien, nous toujours été king à la ganache. Mais gars m'a bien passé sur laptop moi la bagaille là plus bon sur laptop. Oui, normalement les plus bon sur laptop, oui, et quel que soit soit fait pratiquement depuis sur laptop tout les plus bon. Par exemple, c'est ça que live ça sur et sur comme fait là, les plus bon que live Instagram non. En fait, yo tout là de gain porter yo parce que sur Instagram, nous ba plusieurs autres conseils même parler des petits bail politique, petits bail comme si comme mode de vie, mais là nous était concentré sur analyser et bien market là. Bon c'est analyse ça que m'a fait jodi à là ou même qui nouveau dans crypto-monnaie, il doit pas être loin ou pas comprendre rien là-dedans, mais moun qui gon anti idée seulement qui gain crypto-monnaie simplifié dans main yo, li ba yo plus avantage pour comprendre ça qu'a fait là. Pas oublier ça qu'on pas comprendre c'est parce que ou pas jamais qu'on analyser le marché financier. Donc, marché ça, l'on a analysé dans le moment ça, les jeunes, tellement pral gen kob la donne, ils pral menon loin. Qu'on a regardé, calcul comme ce verra pour 2017 à 2019 là, et bien si on a fait calcul ça tout, l'en fin descend là, dans market cap là, bon, montre dans market cap là, comment tu grandis? Parce que, fon ouais, comment tu grandis? On allait, l'an de dit nous de 104, pas vrai, nous de 104, puis bas market cap total là. C'est 104, pas vrai. Nous te songez, nous te dans 104, oui. OK. Bon, pas besoin de chercher 104 là parce que nous te ouais 104 là. OK. Nous te dans 104. On n'a pas oublié. Même 104 ça, il monte. Là, le bon belle soufflette. Bon, c'est à on descend à 152. Bon, pour tout le monde, c'est ton gros soufflette. Bon, pour moi, c'est bon gros soufflette. Non, là, parce que le débit bat toujours, puis devant là. Après ça, il est parti. Regardez comment nous avons augmenté. Ça veut dire ça quoi le passer pour vous en 2024. OK, regardez comment nous avons augmenté. Regardez comment première fois nous jouons un trillion. OK, première fois nous jouons un trillion. Et en 2021, début 2021, nous jouons un trillion. Quoi me souvenez, début 2024, ou bien doit rentrer, ou bien début 2025, par contre, qu'est-ce qu'on a au lapier? Et pour moi, si tu apprends 2021, nous finissons 4 ans, et sur 2021, tu as supposé tomber dans 2025. Ça veut dire début 2025, tu as supposé, ben nous, et nous t'as supposé toucher 3 trillions pour la première fois. OK? Tu as supposé toucher début, tu as touché 3 trillions pour la première fois. Et 3 trillions, ça, pour amener Bitcoin à $70,000, et la Bitcoin dépassait $70,000, mais ça en a 3 trillions dollars. Et puis 3 trillions, pourquoi pas rien? On a les noms. Après ça, nous pas doubler 3 trillions. Attendez bien, hein? Nous allons doubler 3 trillions dans la zone ça. OK? Nous doubler 3 trillions dans la zone ça. Ça veut dire doubler 3 trillions, ça veut dire que le ça nous gagnons dans mai 2025, nous gagnons 6 trillions dollars. OK? Et nous gagnons 6 trillions dollars et puis nous devons descendre encore, nous venons consulter. Est-ce qu'on est en forme? Nous retournons dans 3 trillions encore. OK? Nous retournons dans 3 trillions. Après ça, 2 3 trillions, nous retournons. Je ne sais pas qui l'a fait. Ça a fait n'importe quoi. Moi-même, depuis que je suis dans la zone ça, depuis que je suis dans 5 trillions, je vends. OK? Ouais, mais depuis qu'on même arrivé, je me suis compte côté ma vente, je égaré. OK, depuis venir 5 trillions dans le market là, ma vente, je ne vais pas perdre et tout profit me perdre année ça, je ne vais pas perdre encore. Et même si on m'a parlé, on a besoin de profit. Maintenant, le profit. Moi, je ne vais pas venir dans le market là comme si je venais pour me pour la vie parce que je ne vais pas vivre pour la vie. Et ma vie à un certain moment me fait comme et puis ma jeune bonjour. Et puis après ça, nous descendons encore. Après ça, nous montons. Et puis, bâton chocolat qui continue. Nous ne va jamais arriver 3 trillions. Nous arrivons près, mais nous ne va pas arriver 3 trillions. Qu'on est là, next target, nous, c'est toucher 3 trillions pour la première fois. Et puis, market là, une bullish net allé. On pourrait passer tout le reste à ces histoires. Tout parti en avant, ces histoires. On calcule, on va faire 220 millions, 205 millions. À combien? À 280 combien millions? Hein? Bon, regardons bagaille, oui. Bon, montrer nos bagaille que comme fait découvrir là. Deux boulons ça, deux boulons 2017 à boulons 2021. Bitcoin nous connait combien Bitcoin mettait? Bitcoin mettait $2 trillion sur market là. Bitcoin mettait $2 trillion sur market là. Bitcoin mettait $2 trillion sur market là. On regarde bien, de là à top ça, Bitcoin mettait $2 trillion sur market là. Pas bien, ça a été 818 lié, là c'est 816 noué. 816, bon, 843, ça veut dire $2 trillion et fraction. Donc, on dit que Bitcoin t'a metté, bon, ok, bon, là, c'est notre calcul encore que je viens dans la tête, moi, que je ne vais pas faire avant. Ok, on va diminuer quand c'est comme des carpentries, qu'on a un petit genre en plus, tout ça me fait comme ça. Ça a été mettre $2 trillion. Ok, on dit l'autre là, il mettait plus que $2 trillion. Parce que quand c'est mon cap augmenté, et c'est exagéré. Parce que moi, je viens plus comme, ou même moi, je viens plus comme. Ça veut dire, on dit qu'il ne peut pas mettre $2 trillion. Non, cas ça. Il mettait deux fois de préférence. Ça veut dire qu'il mettait $4 trillion. C'est pas oublié, première, il mettait $1 trillion. Première, il mettait $1 trillion. Et non, première, il mettait $1 trillion. Même première, il presque mettait $1 trillion, même pas de mettre. OK, ça qu'on a là, et il mettait $2 trillion. OK, ça, on dit que là, il mettait $4 trillion. Ça veut dire normalement, nous parlons d'environ 6 à 7 trillions. Bon, ça, comme je toujours quoi, 6 à 7 trillions. Donc, et 6 à 7 trillions dollars, ça veut dire, ou même, si en 2025, et je dis à la, ou gain $10,000, ou c'est $10,000 gain, ou mettre connaissance mon. Son monde qui rate vocation. Vous comprenez? Son monde qui rate vocation parce que ou t'es là, et on saute à penser, ou t'as bien mangé. Et Charlie ou là, Charlie quand pile bête capteur là, bah ça trop grand vous parce que nouveau, mais quand même faut façon pour habituer avec eux. Et nous ça vraiment vraiment intéressant et le fait qu'on comprenne, sous qu'à comprendre là ou est côté que nous braler. Donc, pour qui ça ou pas qu'à prendre position, eh bien, vous dites, ah, moi-même, il faut me jouir de ça pour le passer. Et market cap, nous pourrons le gagner en 2025, là, 3 fois, et bien 2 fois, bon, si tu as 2 fois market cap, ça, nous, environ $6 trillion dans market crypto. Donc, avec $6 trillion dans market crypto, ça veut dire portfolio aujourd'hui, à ta supposé multiplier par 6 ou pour PPT. Bon, non, pas 6 pour PPT, ça peut faire le général ou à. Mais il y a ou gain coin qui a fait 100x, ou gain coin qui a fait 200x, et pour gain coin tout, ou après rater tout profit qu'il a donné parce qu'on a quitté le 3 abonné. Donc, toujours gain ça. Donc, c'est comme ça marché crypto-monnaie a fonctionné. Donc, je pense que, m'ba non assez information pour la jodi à là, parce que là, la pote non li, m'ba lui rentrer dans analyser l'autre projet que market là. Donc, je pense que si on moun ou gain question sur market là, s'il vous plaît, posez question parce que les bons pour nous veut comprendre. Moi pas comprendre, c'est trillion, c'est trillion qui intéresse. Non, trillion est intéressant parce que l'orga des crypto market là les bonheur pour lui, $1 trillion, $2 trillion qu'on est à la market là $1 trillion, c'est pas rien. Il y a moitié côté arrivé dans all-time high. Donc nous pensons que n'a descend moitié à beaucoup rien, nous ca descendre de 2 fois côté il y a encore et bien ça tape descend nous à jusqu'à $800 millions qui tape top que nous dérivé en 2017. Donc top 2017 tape bottom pour nous année ça. Il tape bon en pile, tape bon. Et puis de là nous pral parti pour l'autre 6x dans market là de en termes de market cap. Bon, c'est pas 6 non là, nous tape environ et $600 millions, $800 millions, et vous avez multiplié ça, à 600 billions, bien entendu. Et nous avons monté là à $6 trillion, donc vous avez pile opportunité pour faire comme dans quel que soit bon projet que vous achetez. Ethereum, à un moment que je parle là, Ethereum va arriver dans $10,000, à un moment ça, pendant ce temps, Ethereum à $2,000 qu'on est là, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour faire plus comme que dans Ethereum, que dans Bitcoin. Et Ethereum, $10,000, c'est pour aller un prix qui est vraiment conservatif pour Ethereum, parce que Ethereum va passer de Ethereum 1.0 à Ethereum 2.0. Ethereum 2.0, c'est pour aller racheter maman.grain. Ça veut dire, je parle de ça, je parle de comment Ethereum pour le prendre valeur en fonction de consensus layer que vous pouvez appliquer. Consensus layer veut dire que Ethereum, au lieu que vous augmentez la quantité Ethereum, vous diminuez la quantité Ethereum au fur et à mesure. OK? The market price. The market price now Let's go with the market. Bitcoin, 37 000 $. Et toujours high pour moi-même. Avec une descente plus bas toujours. Et nous, chaque semaine, nous avons un petit bail comme ça. Nous avons retourné en green. Nous faisons 38, nous 39. Et puis, nous pas prendre 40, nous descendons plus bas toujours. Donc, ça, capable toujours vivre. Bien, nous continuons de descendre côté hier. Ethereum à 2500, environ 2600, 16, moins 16 dans ce maintenant. Donc, l'autre semaine, nous avons plus 30. Et puis à 2000, 2900, et puis pour nous retourner descendre. Donc, pratiquement, c'est ça. Donc, on a fait ça pendant un bon temps, et puis jusqu'à ce niveau, joindre dernier bout là, et puis BNB à 3600. 3600, on m'a dit d'acheter BNB à $100 jusqu'à maintenant, on est en 3x, ou 3x malgré tout, malgré au marché à bas. XRP, Cardano font tirer bondi normalement, et Solana, CoinZio, c'est des coins pour un monde. Tant les redescendre plus bas toujours pour capable encaisser yo, capable mettre dans stocker yo. OK, ou a bien Avalanche, ou a bien Dogecoin, et Dogecoin pas t'a conseiller monde pour acheter le bonnet. Donc c'est pour qui ça cap fait 17 billion dollars market cap, c'est un peu l'argent, et on pense que gain monde qui peut liquider pour retirer l'argent pour faire quelque autre bagaille, on prend ça m'doulan. Donc tant monde ça au fin vendre avant. OK, Polkadot très intéressant pour gérer ça yo. Shiba très intéressant. Shiba is holding very tight avec 13 billion dollars. Donc pratiquement Shiba c'est coin de rêve à Nessa et qui prend pile comme UST, mes amis, qui vraiment a monté à cause de Anchor Protocol qui utilise qui baille 19%, ça veut dire majorité monde qu'on est là, yo fait recours yo, ça pour DeFi master là plutôt me camper, tombe pas dans sur ça. Dans DeFi là, on a besoin de détails sur ça. Et on a vu un détail sur ça. OK, Polygon Matic qui 10 billion dollars. Et je pense que lui-même, la descend toujours, Crypto.com. Et Crypto.com, mes amis, comme ça, Crypto.com, mes amis, à niveau ça, Crypto.com, pas avec ça, on va descendre du bas. Son projet, on a veillé projet ça, s'il vous plaît. Veillez projet ça. Et mon coup, on fait tout sur l'écosystème Yoa, ensemble avec Crypto.com. Et normalement, parce que il y a un pile bel bagage, je pense qu'il y a quelqu'un pour passer sur l'écosystème ça. Et veillez, bon, c'est pas Atom beaucoup délivre rien. Ça veut prix Atom, il y a descendre vraiment bas. Chainlink à niveau bien bas pour acheter tout. Veillez Tron toujours important. FTX, veillez plateforme ça, ouais, malgré ça, qu'on n'y a pas descendre tellement. 5 billions de dollars market cap, c'est quelque chose. Uniswap à buy PI. Descend puis bas toujours, me penser. Et Neo Protocol, bon bagay, Algorand, bon bagay, Decentraland, Cellular Means, bon, ça lui-même, c'est faire mon petit temps parce qu'il pas compte même pratiquement. OK, Edge Bar, Phantom, VT projet ça, projet coréen ça, c'est un projet pour nous avec, et la pote comme bon. Et ICP, $17 à $700. Imagine le projet ça tourne $700 encore. C'est pas joué, non. OK, pensez Ethereum classique, t'as supposé descendre. Ethereum classique va commencer pour continuer pompe, pensez après Ethereum fin passer à consensus layer à Ethereum 2.0, ça veut dire minero pas bien l'autre choix qui éliminer Ethereum classique. Ça veut dire ça fait Ethereum classique pour devenir important pour parce qu'il va créer travail. OK, Sandbox très important, Kathleen on plateforme coréenne qui est vraiment important tout pour NFT pour ceci là. Donc 3 billions de dollars donc à $1 c'est bien. OK, elle wonder on a meilleur projet et projet ça si je vais m'a suivre me plein sac moins parce que projet ça importance ça là pour retourner on est 10x quand même. Axie Infinity bon bagaille si on va camper et Vichen qui était de rigoler toujours et Theta Network bon bagaille et puis Monero m'a intéressé et ouais Tezos yon a bon bagaille pour gagner dans portfolio donc parce que projet ça pour régler rien sérieux mais malgré ça il gagne 2 billions de dollars market cap par contre qui ça régler qu'on est là ça veut dire parce qu'il va bon comme même année ça même et même parce que l'avenir IOTA et projet ça beaucoup atterri ou même sauter IOS parce que IOS a joué toujours Pancake Swap à $6 et c'est PI à $6 c'est PI je pense qu'il t'a prêté sur $7 mais Bitcoin a saccagé market là l'obligé pour un coup. OK, on arrive pour des graphes mes amis, quitter des graphes et puis accumuler des graphes parce que pas oublier c'est the next Google, the next Google on the blockchain, this is the graph. OK, Gala, et accumuler Gala, tout le temps la descend toujours, même parce que Gala a descend à 0,09, donc sans problème. Et Vélamba. Harmony a descend plus bas toujours, et parce que ça fait me dire nous ça, il y a beaucoup de produits, et produit a beaucoup délivré. malgré son projet, moi, mais en pile, mais quitter le descendre toujours pour me gagner plus là-dedans. Et KuCoin, moi, KuCoin était solide, man. C'est bon, KuCoin dans le market là, qui pas crasé. Vraiment, c'est Binance avec KuCoin. Ben bon, en fait, c'est KuCoin, parce que même Binance de, à moitié prix côté le TA, mais KuCoin, all time high KuCoin, et ben, montrer nous, nous. Ça, KuCoin fait année ça là, son bagay Binance t'est fait. Donc, je pense que moi-même, je n'ai pas jamais acheté KuCoin, mais c'est ton erreur que je fait. Et c'est ton erreur que je fait. Bon, je ne vais pas donner tête, moi, parce que je m'ai rejoint encore. Et en l'autre moment, dans crypto-monnaie, ou pas jamais faire erreur qui est trop grave, parce qu'on peut réparer. Bon, j'ai toujours bonne façon pour réparer. Et si vous regardez l'évolution coin ça, année ça, ils font un bel parcours. Ils font un bel parcours, je vais le montrer nous. Ils font un bel parcours. Regardez comment tu commences à bouler maintenant. Et 2020 m'a regardé, j'aime là m'a fou regarder comme ça, attendez bien, j'aime m'a fou regarder m'ba régler rien moins. Début 2021, OK, n'a pas les crypto, m'ba régler rien moins, OK, à $1 et puis toute là $4, m'ba régler rien moins en mi et m'a parlé de bon, pour anniversaire mon, t'ai acheté pour anniversaire de fait tête mon cadeau, m'ba acheté. OK, on dit m'acheter de fait tête mon cadeau pour anniversaire, on connaît d'abord mon 10x côté là. Non, voilà mon 10x, on là mon 4x. Ouais. Yeah, on allait. Quand on est à la soute acheter là, et on te fait tout cadeau en 2021, pratiquement, regardez où on l'est là. Avec dit, ou t'as qu'à vendre avant que Bear Market là bas. Et je pense que garde pour le graffler, il vraiment paraître son coin qui font belle boulot et puis il toujours est en l'air. Avec dit, jusqu'à maintenant, pour qu'on descende. Est-ce qu'elle a continué à monter? We don't know. But là, regardez, all time high, c'est en 2018. T'es going down high $20, qu'on est là, les pas doublé, non, les juste font-ils dépasser all time high ça, est-ce que t'es arrivé $30, non, $24, m'croit t'es plus haut, dans zone $27, t'es arrivé, $27, bon, pratiquement, et puis il dit, bon, et c'est assez, mais c'est vraiment intéressant, mais qui est-ce qu'on est là, qui t'en coupe pour ça, eh bien, ça, demain, si devait m'a parlé dans la là, qui est-ce pour nous faire, qui pourra le faire même bagarre avec KuCoin, demain, si devait n'a parlé dans le live là parce que gain bagaille qui va le passer, il faut que nous comprenions et pour nous capable prendre avantage de yo. Bel petit projet, bel bagaille, si n'a pas de KuCoin et mon bon coup, on va faire sur KuCoin tout, trading sur KuCoin et bah ça vraiment intéressant. OK, mon qui gain question yo mes amis, posez écrivez-moi sous les amis en dire là fini. Là fini, dis-moi envoyer BNB a et pour moi je mettre OK pas un danger mais écrit pour faire me songer ça. OK mes amis et je pense que si pas une question c'est seulement observation que tu gagné donc tu regardes dernier projet qui c'est KuCoin m'pas bien dans tête pour me regarder mais c'est un projet qui plus qu'embé dans bear market là par rapport bon en fait on va parler de Solana de côté de $2 à 200 combien dollars et puis qu'on est allé à 80 combien dollars donc et c'est toujours un peu le cop qui fait dans Solana mais quand même il y a monde qui t'a acheté là 100 combien donc on est acquis en déficit. Mais KuCoin, pratiquement tout le monde qui a acheté KuCoin, c'est assez en positif. Et bah, on est, si tu as acheté le plus haut que 18, bon, faut pas ta bien en tête. Hein. Et OK, mes amis, je pense que c'est ton plaisir pour me dire avec nous. Et chaque jour, nous avons gagné un live comme ça. Eh bien, qui sous et yon partie qui est importante dans la crypto-monnaie. Et une fois que vous comprenez le bagage, vous connaissez comment vous formez portfolio. Eh bien, continuez à former tout, continuez à parler l'autre monde de crypto-monnaie parce que moment où l'équipe plus fait noir, c'est le sale pour le faire jour. OK? A dit sous besoin d'un cob et continuer à investir dans une série de projets qu'on capable stick, cap ba ou l'argent comme ça doit pour 2025. Il n'y a pas un problème si 10 000, 20 000, 30 000 dollars encore, bah ça nous résoudre. Eh bien, pour résoudre là avec 1000 dollars, ou qu'arriver faire 30 000 dollars. 30x qu'on a dans qui qu'on nous investir. Ça, je ne sais pas pour investir, c'est vous pouvez chercher qu'on est, il faut mettre tout dans le cours que vous pouvez faire, dans le bagage, comme si vous mettez assez d'informations disponibles pour qu'on investisse à bon escient. Bye tout le monde, nous avons rencontré dans Yon Lot Live, et bien, qui pourra le faire demain matin si Dieu veut. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse et pour passer une bonne journée. Bye bye.